Hallo allemaal, welkom bij Achter de Schermen. In deze aflevering nemen we een kijkje in het atelier van de Chinese kunstenares Li Zhong. Een heel bijzondere artieste met ook een heel eigen stijl. Ze maakt zeer elegante beelden die bijna tot leven komen door de vele bewegingen en transparantie. Hoe dat juist allemaal in elkaar zit, komen we nu te weten. Alles goed? Ja, super. Ik ben hier al. Li Zhong is goed aan het werk met een totaal nieuw oeuvre dat ze gaan beginnen. En jij komt eens kijken of alles... Ik doe hier de controle. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? En fait, je suis en train de préparer un armature pour... un statue à peu près vers 90, 90 cm hauteur. Donc cette étape, je passe pas mal de temps pour vraiment bien trouver à chaque proportion, mouvement, être vraiment cohérent pour le corps. Depuis au début, quand on prépare, jusqu'à la fin qu'on voit en terre finie. C'est beaucoup de préparation et beaucoup de travail. Mais honnêtement, Li Zhong, tu travailles très vite. Comme les danseuses, on travaille 10 ans et sur la scène, c'est 10 minutes. Quand on a beaucoup travaillé avant, c'est ça. Et les 10 minutes, on dit oh, c'est bien fait, c'est vite. C'est la même chose. Tu as une bonne base. Oui, tout ce que c'est déjà préparé, c'est. Il y a beaucoup d'années. Comment vous avez rencontré? Bruxelles. Oui, à Bruxelles en 2015, dans un foire. Oui. Et puis. Et Li Zhong, tu te rappelles, moi je n'étais pas intéressée. Hein. Non. Mais non, mais j'avais trop d'artistes et je disais. Ok, oui. Encore une artiste, mais j'étais quand même, j'étais gentille, je dis ok, montre une fois. Je was meteen overtuigd. Well, het was zo een verrassing voor mij, want ik was echt niet geïnteresseerd, maar als ik, dit spatte eraf van die tablet, wat een talent. Dus dat laat je niet voorbij gaan en die feeling heb ik wel. Le plus important, c'est justement le mouvement de quelqu'un. Par exemple, si je vous fais un exemple, vous allez comprendre tout de suite. De loin, de très loin, quand on regarde une personne, et tout d'abord, même on n'a pas vu encore les visages, on ne sait pas c'est qui, mais son mouvement, son façon de marcher, son attitude de bouger, la façon de bouger, on voit tout de suite c'est Nina, ou c'est Célia, ou c'est Li Zhong. Donc de loin, c'est cet caractère. C'est le plus important et c'est le plus fort. Ça, c'est un argile? Oui, c'est l'argile. Donc, c'est vraiment... Toujours, j'ai utilisé l'argile pour la création, toutes les premières étapes. Pourquoi il n'y a pas de détails dans le visage? Ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que tout d'abord, pour vraiment exprimer une énergie ou l'esprit de quelqu'un, ce n'est pas dans le petit détail qu'on voit. C'est tout le mouvement du corps et toute l'énergie et toutes les proportions. Quand tout ça sont prêts, après, on peut petit à petit, finit par la fin, sort par le détail. En plus, le détail qui doit être net naturellement. Il ne faut pas chaque fois chercher, je veux le coin du bouche, le coin de l'œil. Quand on est trop concentré sur le détail, il sera figé, pas naturel. Quand c'est fini, quelles sont les étapes suivantes? Pour les étapes suivantes, donc je fais venir le mouleur. Mouler cette pièce, ensuite le moule, ce sera transporté chez les fonderies
Après, c'est le tirage en cire, le moule avant le couler en bronze. Et puis ensuite, c'est le bronze. Ensuite, c'est patine, etc. Et après, c'est... Après, quand tout est fini, ce sera présenté dans les galeries. Ce sont les voiles, mais ils sont très transparents. La transparence de mon sculpture, la première chose la plus importante, c'est le modelage. Par exemple, imaginez ici, hein, enfin, on regarde, on voit, il n'y a pas de patine du tout encore, il n'y a pas de, c'est pas encore fini, mais on voit le modelage, les formes. C'est à travers le drapé, on voit déjà les formes du corps de cette femme. C'est ça la première chose la plus importante de toute la transparence, c'est sculpter transparent. Wat vind je zo bijzonder aan haar werken? Wat haar zo kenmerkt, Lijon, is dat ze in staat is om energie te materialiseren in bronzen. Ze is ongezien. En je voelt dat ook. Hè. Kijk naar Rebellion, die straalt, die vrouw straalt, maar ze beschermt haar ook en één wervelwind onder haar. En de naam is heel goed gekozen. Wat er ook gebeurt, ze blijft staan in de storm. Moi, c'est vrai, j'arrive pas à créer un sort juste comme ça, tout calme, tout de la même. Pour moi, c'est impossible. C'est toujours de nouveaux idées, de plus, de surprenant, plus, compliqué, plus séduisant. Toujours un challenge pour moi-même. Comme ça, c'est intéressant aussi de voir dans l'exposition, quand il y a toutes les pièces différentes, ça fait une énergie dans tous les niveaux différents. C'est intéressant pour les gens aussi de découvrir c'est quoi l'artiste qui est en train de créer. Quoi. Jullie hebben hier veel beelden staan van Lijon in de galerij. Het is bijna alsof ze tot leven komen. Dat is ook haar bedoeling, want zij wil dat een beeld, het wordt bezield terwijl dat ze het maakt. Is daar wordt heel langzaam opgebouwd. We hebben dat ook gezien hoe dat zij te werk gaat. Ook de ogen zijn heel sprekend. En de poorten van de ziel. En dat heeft Lijon heel goed begrepen, want als je kijkt op welke manier dat zij de ogen beeldhoudt, echt wel de moeite om daar een keer echt op in te gaan, zelfs de pupil is zichtbaar. Het is eigenlijk wonderbaarlijk dat een beeldhouwster in staat is om naar zo'n verfijning te gaan. Uiteraard, haar Chinese roots heeft ervoor gemaakt dat zij van een opleiding genoten heeft die ongeëvenaard is. De meest gerenommeerde beeldhouwschool ter wereld is in Peking, de CAFA, en zij was daar de laureate van haar jaar. Zo, dit was Achter de Schermen. Wil je ook de energie voelen van de elegante beelden van de Chinese kunstenares Lijon? Wel, dan moet je naar hier komen, naar de galerij Art Center Horus in Sint-Martens-Latem. Heel graag tot de volgende.